Ouais, voilà, chers amis, eh bien, dernièrement, je suis allé sur YouTube, la place pour les vidéos, et je suis rentré dans une partie où on voyait des anciens vedettes, des anciennes vedettes de la France, hein, je jouais dans les films, et ainsi de suite. Et puis, ils sont devenus très, très, très populaires, la gloire, ainsi de suite. Mais maintenant, ils sont rendus âgés, ils sont rendus vieux. J'ai vu un qui marchait vraiment lentement avec une canne ou deux, avec un petit appareil, il n'entendait plus bien. Moi aussi, c'est la même chose. Mais en fait, c'est plus les mêmes personnes que je voyais lorsque j'étais jeune. Ils ont tous vieilli. Et ça, la vieillesse, ça s'en vient pour tous, pour nous. La seule façon d'échapper à la vieillesse est de mourir avant d'être rendu âgé. Hein? En fait, c'est ça, il faut vraiment. Puis, en fait, prépare des dire, comme l'automne annonce l'hiver, la vieillesse annonce la mort aussi. Hein? La mort s'en vient, on vieillit. Mais en fait, comme je disais dans une ancienne capsule philosophique, on trouve vraiment, il faut comprendre que nous ne sommes pas saccades. Et on retrouve toutes les instructions de la Bhagavad Gita, dans la Bhagavad Gita, telle qu'elle est de Srila Prabhupada, et cela va vraiment nous réconforter, va nous faire voir comment dirais-je, notre vraie position dans ce monde, hein, ce corps-là est temporaire, je vais le perdre, mais j'en aurai un autre qui va durer pour l'éternité, tout prochainement. Hein. En fait, c'est ça qu'il faut, faut vraiment, vraiment comprendre cette philosophie-là, ça va vraiment, vraiment nous aider, vraiment beaucoup nous aider, et on va devenir heureux pour toujours. Ça va vraiment prendre, encore une fois, cette philosophie-là au sérieux, l'étudier, l'approfondir, et la mettre en pratique. Ah ouais, avec ça et bonne poursuite. Avec ça.